Oui, salut, cher ami Yamba, cher frère de cœur, combattant. Ah, le fanafricanisme. Enfin bon, ceci est l'opportunité de te montrer un peu mon cadre de vie. Hein. Voilà. Donc voilà le quad. Ben voilà. Donc c'est un petit shot. Hein. Donc voilà quoi. Voilà, donc il y a eu de la fête ici. Voilà, la confirmation de ma soeur, de ma fille aînée, là. Voilà. Neor Maher, hein, c'est la fille de Marcel. Voilà. Donc voilà l'entrée de la maison. Hein. Voilà. Bon, toutes les voitures ont disparu. Mais bon. Donc chacun en a eu une. Ma fille aînée. Enfin, voilà, des brillantes. Hein. Ma fille, 20, 18 ans, 17 ans, voilà. Donc, bon, elles ont été formatées à la dure par le général des armées de l'ombre de la mort. Ben voilà, la petite cousine, petite cousinette, là, voilà. Ok. Table de travail, etc. etc. Ok, bon, ça va aller vite. Hein. Donc voilà, donc bon, j'ai passé ma journée à travailler très dur, mais vraiment très très dur. Mais bon, j'ai mis la propreté un peu comme je l'ai fait au Cameroun. Hein. Voilà, donc voilà l'intérieur de la maison. Voilà, le living room. Voilà, donc avec. Voilà, mon mariage couronné. Au village de mon épouse Marcel, que tu vas découvrir incessamment. Voilà, d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est après la mairie. Hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, pareil. Voilà. C'est pas beau le couple. Ok. Bon, voilà. C'est le tour hein, du patelin. Ah, bah voilà. Donc, je suis pas beau là, elle est pas belle. Je rigole. Tu sais, tu me connais, hein. Bon, voilà, donc voilà le roi du village et la reine. C'est pas beau tout ça? Ben voilà. Voilà, donc Bichet Consulting. Ça tient rien du tout. Un petit espace, là. Où tout est pensé. Ça se passe dans la tête. Hein, Chayam? Ça se passe dans la tête. Un peu comme tous les coins, là. Ces gars-là. Dans les médias. Ah oui. Je t'ai dit, hein. En parabole, c'est toi, l'éclaireur. Le moment venu, tu te mets à l'écart et tu dégages et hein, on rase de tout. Voilà. Donc, comme je le dis, je suis le général de l'armée, des soldats de l'ombre de la mort. On ne peut pas tuer une ombre. On ne peut pas lutter contre une ombre. Avec toute la symbolique et les énigmes que ça veut dire. C'est toujours aussi symbolique, hein, ce que je vais vous dire là. Voilà, une imprimante, voilà, qui permet de faire tout, des livres, etc. Impression, écrit, voilà. On n'a pas besoin d'être dans des milieux feutrés, voilà, pour penser le monde. Voilà quoi. Bon, je vais aller côté jardin. Bon, voilà quoi. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai. Attends, je vais mettre un peu la musique là. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté tout ça. Voilà, c'est en live, hein. Ça va aller très très vite. Ok. Musique. Allez, chantez. Ok. On passe à autre chose. Donc ça c'est le côté jardin. Voilà. Donc ça fait pas un moment que bon à mon retour j'ai essayé de raser tout ça, mais bon les mauvaises herbes ont poussé. Mais bon c'est ça la vie, hein. Rien n'est parfait. Voilà, petit jardin. Le voisin là, il est en train de mettre la barrière. Et on s'en fout. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Made in France. Voilà la façade.
Donc d'ici là, donc je fais une prière hein, par rapport à la cérémonie là. Je suis complètement engagé là-dedans. Hein. Je veux dire, tu m'as bombardé les choses plusieurs fois. J'ai l'impression que tu perds la tête là. Allez, réveille-toi là. Mais non, je rigole. Tu me connais comme ça. Hein. Voilà. Donc il faut garder le cap là. J'ai l'impression que t'es dispersé. Bon, à un moment donné, je t'ai envoyé même des suggestions là. Si ça se passe pas maintenant. Parce que, bon, pour l'instant, BC Consulting, on est pris à faire autre chose. Il faudra créer un site officiel par rapport à l'appel aux ancêtres. Hein. Et c'est pas une mince affaire. Bon, à la longue, nous, BC Consulting, on peut prendre ça en charge. Et créer aussi une application. Voilà, par rapport à cet événement-là. Bon, pour l'instant, on est pris dans beaucoup de choses. On aurait pu faire tout ça, mais bon, l'appli... Elle va servir. Elle va servir. Autant aussi pour d'autres événements comme l'IA Big Point là. Qui a foiré. Bon voilà, donc écoute-moi bien. Hein. Voilà, donc j'étais au Cameroun là, tu as vu hein, le sanctuaire. J'ai sanctuarisé la chambre de maman, j'ai sanctuarisé toute la bâtisse et j'ai sanctuarisé ce que tu as appelé la Maison Blanche. Donc là, en ce moment, elle est en train d'attirer tous les rayons solaires. Vers elle. Elle va illuminer tout le quartier, tout le Cameroun, tout Douala, tout, tout, tout. Et je vais rajouter une chose là. C'était en prélude hein, à tourner la sale page morose de l'histoire de 60 ans de vie de merde dans notre sacré pays. On va le remettre là, les pieds sur les rails là. Et on n'est pas là pour s'amuser. On va devoir reprendre le sang du monde. Le centre des décisions, le leadership mondial, africain et mondial, je dis bien. Parce que des cerveaux, il y en a au Cameroun, comme toi, comme moi, comme Nathalie, comme Seba, pour ne citer que cela. Et je le dis d'un ton très grave, hein, je t'ai jamais parlé ainsi, là. Hein. C'est sincère et profond. Les prières qu'on a faites, là, elles n'étaient pas anodines. Et elles vont ouvrir les portes de la libération totale de l'Afrique. Et j'y vais en tant que leader du MLTA, Mouvement de Libération Totale de l'Afrique. Et on va laisser les petites souris là s'amuser jusqu'en quoi, 2024, fin 2024. Mais le grand chat noir 2025 arrive. Et toutes ces petites souris là, vont rentrer chacune, une par une, dans leur petit trou. Après avoir dégusté avec délectation, je veux dire très bien, le raticide qui va éradiquer cette race pourrie qui a gouverné le Cameroun pendant autant de décennies pour plonger le peuple dans la misère. Debout le peuple, c'est un appel. L'appel que je suis en train de faire à nos ancêtres, qu'ils entendent nos prières et que ceci ait écho dans tout l'univers. Amen. Alléluia. Mal. Bon week-end à toi. Bats-toi. Je dis bien bats-toi. Moi, je me bats de mon côté. Et tu n'as pas envie de me dire ce que je dois faire. Nous sommes dans la même lancée, chacun dans sa toile, dans cette toile là, tisse son intelligence. Un pour tous, tous pour un. One united, one love. Amen. Alléluia, mal. Que nos ancêtres nous entendent et que soit une réussite totale cette première édition. Qui ne foira pas, qui va marcher et qui fera écho dans tout l'univers, je répète, dans tout l'univers, trois fois, dans tout l'univers et dans tout l'univers. Et je finis par la prière. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespassing. As we forgive those trespassing against us, this is only so by temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen, amen, amen. Amen, alléluia, amen.